Ciao, io sono Enrico Garozzo. E io Marco Fichera. Oggi siamo allo Style Shooting Range. C'è un po' di vento, ma proviamo per la prima volta il tiro al volo. Come vedete, Marco sta provando a sparare. Come già sappiamo, l'Italia è numero uno nel ranking mondiale della scherma, ma se la cava piuttosto bene anche nel tiro, infatti è numero 4 del ranking mondiale. Non mi presento alla gara se ne prendo un altro, te lo dico. Ragazzi, ho preso due piattelli su tre, non mi presento alla gara domani, non ha senso dopodomani, cioè, nel senso, vengo qui. L'Italia è stata la nazione col maggior numero di medaglie a Rio 2016 nello shooting e nella scherma ho preso 4 medaglie ed Enrico siamo parte della squadra che ha preso l'argento a Rio 2016 nella scherma e speriamo di fare meglio a Tokyo 2020. La scherma e lo shooting sono molto simili in realtà, mi sono reso come appunto l'essere un tutt'uno nella scherma tra l'arma, quindi la spada, il fiato, la sciabola e la persona e nello shooting tra appunto l'arma e la persona stessa, perché se non si è una cosa sola non si riesce né a toccare nella scherma o a sparare e a prendere i piattelli. C'è bisogno di molta concentrazione perché chiaramente il fine dello sport è uguale, quello di colpire un bersaglio, quindi se non sei concentrato al 100% e non lavori sulla concentrazione non prenderai mai il bersaglio, anche se uno è vivo e l'altro no, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Bravo Cella! Bravo! Bonjour à tous et bienvenue à Paris, dans cette ville magnifique. C'est la ville lumière, la ville de l'amour. Je m'appelle Yannick Borel, donc laissez-moi vous faire découvrir les parties que je préfère à Paris. Donc suivez-moi. Bien sûr, je ne peux pas vous parler de Paris sans vous parler de la femme la plus importante, la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Quand elle a été construite en 1819, la plupart des gens la détestaient. Et aujourd'hui, c'est l'un des monuments le plus visités au monde. Ok, donc là on va arriver dans un de mes restaurants préférés ici à Saint-Michel où on mange des burgers typiques américains. Bon appétit! Alors nous sommes à Saint-Michel, c'est un de mes endroits préférés ici à Paris. Et c'est un endroit où il y a toujours de la vie, il y a toujours du monde. Et les gens, quand ils imaginent Paris, ils voient voilà, la Tour Eiffel, le Louvre. Mais Paris, c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est comme une seconde maison. Je suis arrivé pour suivre mon rêve de devenir un jour médaillé mondial ou olympique d'escrime. En 2024, les épreuves d'escrime seront juste derrière moi dans le Grand Palais. C'est un souvenir inoubliable parce que c'est ici qu'ont eu lieu les championnats du monde d'escrime en 2010 et c'est ici que je me suis dit que j'avais envie de participer aux championnats du monde. En 2024, je souhaite me battre pour amener des médailles pour la France. C'est mon club d'escrime. On est au Levallois Sporting Club. Et c'est ici que j'ai commencé l'escrime à Paris. Quand j'ai commencé l'escrime ici en 2011, je me disais que je pouvais, pourquoi pas, devenir un jour champion olympique. J'en rêvais intimement, sans le dire à tout le monde. Et de les voir, je me dis peut-être qu'eux aussi ils rêvent de ça et ils rêvent d'arriver un jour à ce niveau-là. Je suis sûr qu'ils ont envie eux aussi d'arriver un jour à ce niveau-là. Pourquoi pas, à Paris en 2024, devenir champion olympique. Paris est magique.
Oké, okay, gyere, nyújj bele, itt a móka. Ez egy ő, kicsit kukacok. Kóstolod? Aha, mehet, igen. Mehet. Ez olyas, mint a baklava. De lehet, igen. Hogy nem az. De. Nyújj bele. Ne. Kicsit olyan sajt krémes, de én nem tudom meghatározni. Nem. Akkor nem tudom. Hú, hát ez még mozog egy picit. Ajjaj. Ó, ez gyümölcs, fruj, édes gyümölcsnek tűnik, és ez szerintem datolja. Mi lenne, ha csak becsuknám az emel? De neked is jól áll, hogy ezt rakom. Azt rakd el. Na, nyújj bele. Óvatosan. De hova? Mit éreztél egyébként? Ez humusz. Humusz. A traditional humusz. Csicseri borsó. I like it. Tastes it so good. Ide rakjad. Nyomkod meg, milyen az ízés. Yeah. Kind of vegetables, yes. Uh-huh. Valamilyen levél, amilyen sós cuccal van megtöltve. Finom, nagyon finom. Nyújj bele. Aha, nyújj bele. Húha. Ez az az őrület, nem? Ez... Ami, mi a neve annak? Hát ezt most, ha kimondom, akkor lebukom. Hát de, milyen hagymás, paradicsomos, zöldes cucc. Tabulé. Yeah, tabulé, yes? Is it tabulé? Yeah, I know the name. I like it. Can you give me a spoon? Én is szeretném kipróbálni azt, amit az MSR-be. Knafi. Kész? Nem, egyetve. De ez tényleg jó volt. This is the coin challenge. Yeah. Cool.
No! Oh, this is really hard.每个人有三次机会，谁中最多谁就会赢哦。剑子爆不吹，剑子爆不吹，你调戏我，你调戏我就好了。你觉得我会刺中吗？加油，赶紧刺中！哎呀，拿准出手。 简单，太简单了！哎呀，我好紧张，这什么鬼？嗨！啊！如果在这个镜头面前不成功，有点尴尬。对。哇，镜头没了，我有点紧张，2-0了，最后一次机会，我要开始了。 我还有一次机会，我一定要赢！妈妈，妈妈，哈哈哈哈哈哈！Yes，好好玩呐！好，这种戏不错。